Ouais, salut à tous. On m'a ramené ça. C'est un Dell. Je vais vous montrer. Quand on l'allume, vous voyez, la dalle de l'écran, c'est mort. Elle est morte. Il faut la changer. C'est mort de chez mort, quoi. Là, il n'y a rien à faire. Donc, la dalle est cassée. Il faut la changer. Donc, je vais m'y mettre. J'éteins. Je débranche. Ça, c'est un Dell Vostro. Alors, Dell Vostro, c'est assez facile. L'écran, c'est simple à enlever, c'est-à-dire à changer. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, je vais me mettre un peu à peu près en face. Je commence par glisser ma main là-dessous, sous le petit cache. Hop, je tire, je tire. Je glisse la main là-dessus, à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, je soulève tout ça. Je déclipse. Tout ça, ça se déclipse très facilement. Voilà, je mets de côté. Maintenant, il faut que j'ai quelques vis à enlever là. Quelques vis à enlever pour pouvoir le décoller. Je vais juste enlever celui-là et celui-là, ça devrait suffire. Et après, je vais ramener vers moi. Mais ça dépend, il faut voir. J'ai peut-être un vis en bas aussi à enlever là et là. Donc, je retire ces deux-là. Hop, celui-là, je commence par celui-là. Hop. Oups. Il est tombé par là. Je le récupère. Voilà, il est tombé. Il est là. Je récupère avec mon aimant. Hop, voilà. Et le deuxième, je mettrai l'aimant à côté. Comme ça, il va se coller directement à l'aimant. Voilà, hop. Les deux sont là. Ensuite, je les mets de côté. Si je peux soulever ici ou pas, ou si c'est collé en bas. Faut que je dévisse celui-là. Celui-là qui est dans le coin là. Pour pouvoir tirer l'écran vers moi. Hop. Maintenant celui-là. Ce côté-là. C'est le plus à gauche. Plus à gauche. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir tirer ça vers moi ou pas? Non, c'est encore. Pour enlever les quatre. Les quatre. Il y en a encore deux. Un là. Et un là. On va les retirer rapidement. Oups, bon, de toute façon l'écran est cassé, là, il risque plus rien. Donc, comme ça, je vais pouvoir tirer ça vers moi. Voilà. Il y a un truc à faire, bien sûr, c'est décoller la nappe qui est là. Je la décolle puisqu'elle est collée. Ok, je la décolle là aussi. Et là, je déclipse. Oui, là, il y a la. Ça, c'est, il faut le déclipser de l'écran. Ah oui, j'ai oublié de décoller le haut. Il y a un petit bout de scotch là-haut qu'il faut décoller sur la nappe. Je prends un cutter pour passer en dessous plus facilement. Voilà.
c'est plus facile à décoller avec un cutter en allant doucement, bien sûr. Hop, voilà. C'est fait. J'ai retiré la nappe. Maintenant, je peux retirer l'écran. L'écran, il y a quatre vis sur le côté. Là, ici. Hop. Là. Ensuite, j'en ai un là et j'en ai un plus bas. Là. Et après, l'écran sera retiré. Sera décollé de. Sera décollé enfin. Voilà. Oh merde, bon, il est mort de toute façon cet écran. Donc ça risque même s'il tombe. Hein. La dalle, je veux dire. La dalle est morte. Hop. Voilà, j'ai récupéré tous les vis. Je peux virer ça maintenant. Ça, c'est HS. Je dégage. Et à la place, ils vont en mettre une autre. Une que j'ai récupérée. Voyez, c'est. Ça, c'est la HS. HSBC. Et ça, c'est la qui fonctionne. Et ça, c'est la morte. Hop, ça, je vire. Il y a un sens, hein. Avec la nappe vers le bas. Vers le bas. Hop. On fait un peu ça. Et donc, il n'y a plus qu'à revisser tout ça. Hop. Ça va être pas très simple. Mais bon. Alors, donc. Bon, c'est pas facile. Déjà, quand j'en mettrai un, ça sera déjà bien. Tournevis. Oh, j'ai perdu mon tournevis. Quand j'aurai mis un vis, ça sera déjà beaucoup mieux. Voilà. Je vais en mettre un. Voilà, j'en ai mis deux, il n'y a plus qu'à mettre celui-là maintenant. Je vais commencer par celui du bas. Bon. Il y aura l'annonce. Voilà. Il nous reste un mètre. Il faut que je retrouve parce que je crois que ça fait tomber. Et, oh merde. Oh, j'ai entendu. Il est là. Je l'ai retrouvé. Je vais le mettre. Hop. Et en allant doucement. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va baisser l'écran. Hop. Et on va brancher la nappe. On branche la nappe. Voilà, on la plie, c'est bien. On met le petit scotch. Hop. On recolle tout ça, tout droit. Broum, broum, broum. Et ce qu'on va faire,
On va remettre l'écran. Déjà, on va reposer ça là-dessus. Déjà, je vais ouvrir ça, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Voilà. Alors, donc. Pas cela, c'est cela, c'est pas la même taille. Je me suis aperçu que je vais remettre ce du haut de l'écran, juste pour que ça tienne, quoi. Histoire de, hop, il y en a un deuxième à mettre là. Voilà. Après, bling, bling, bling. Oups, tu échappes pas tout. Non, non, non. Tu restes avec nous. Aucun, là. On veut quitter le navire. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Il en reste 4 à mettre ici en bas. Et après, si tout s'est bien passé normalement. Oh merde! Heureusement que j'ai les mains. Je galère moins pour récupérer les vis. Voilà, hein. Voilà. Le quatrième. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il faut remettre le cache. Le cache de l'écran. Faut ouvrir au max. Comme ça. Glisser ça là-dedans. Hop. On va commencer par en haut. Dans la webcam. Là. Faut fermer pour pouvoir clipser là derrière plus facilement. Voilà, et maintenant on ouvre et on fait bien plus ça et on va brancher le chargeur et on va voir ce que ça va donner au niveau de l'écran, si ça repart ou si ça repart pas. Allez, poteau, t'es où? Et là on allume le truc et on voit ce que ça donne. C'est bon, c'est parti. Le réparer. Démarrer Windows normalement. Démarrage de Windows. Voilà, c'est bon. Fait, la réparation est terminée. Le propriétaire, il va être très content de récupérer son PC.
Et ouais, carrément. Surtout le Dell Bostro, c'est un bon PC, quand même. i3, wow. Windows 7 Pro. Est-ce qu'il va avoir mis un mot de passe ou pas? Le propriétaire, quoi, je veux dire. Je ne sais pas si un mot de passe ou pas. Lui m'a demandé de réparer la dalle de son écran. J'ai dit ok, donne, je te fais ça. À part ça, non, il n'y a pas de mot de passe. Ok. Ce que je vais faire, moi, c'est. Je vais dans Google Chrome voir. Bon, bah sinon, c'est ok là. La dalle, elle est réparée. Et puis, bon, je vais le rendre à son propriétaire, bon, qui sera content de récupérer ça. Ok, sur ce, bah, je vous laisse. Hein. Et à une autre vidéo.